Hello, my banana milkshake. Coucou, my banana milkshake. La recette là, ça vous rappelle de quoi? De l'Afrique, ici. Hein? Les bonbons glaces, bissab, sable, du kiwi, hein? du Do you remember this recipe? Back home? So stay tuned. I'm going to show you how I realized this delicious childhood rice snack. wood snack, hein? Qui n'a pas aimé ça son enfance, tout le monde a aimé. Donc, don't go anywhere. Stay, ok? La recette, on a besoin de kiri, baobab kiri, du bissau, ou zombo pour les Nigériens, et tamaré We need tamarind. here. we need a uh, hibiscus and baobab kiri. I don't know how you call that one in English. We call it baobab kiri. Le baobab kiri, bisab, tamarind. Je vais vous réaliser. I'm gonna bring memory back, Africa. Memory back for you guys. Donc d'abord, je vais mettre mes kiri ici. I'm gonna add my kihi baobab here. Baobab Kiri, Okiri, baobah, je ne sais même pas, entre les deux là, c'est quoi, baobah Kiri, Okiri, baoba Kiri, hein, mm. donc je vais de l'eau chaude, that's boiling water, I'm gonna add it, I will tell you later why I put boiling water, je vais vous dire après pourquoi j'ai mis de l'eau chaude, ok, wait, I will show you, and ça c'est du tamare, that's my tamare, just gonna use this one too tamari is so healthy you know that's very very healthy très bon pour la santé tamari ça aussi je vais mettre de l'eau chaude hmm? je vais mettre de l'eau chaude sur ça aussi et je laisse ici pour se reposer i'm gonna leave it to rest and we're gonna wash my how um, je... on va laver mes biceps

They put this one on the floor outside to dry. So make sure you clean it properly. Sometimes there's stone and sometimes there's sand, a lot of sand. So make sure you wash it before you use it. And boil it to kill all the bacteria. Faut toujours bouillir tes bisabes pour tuer les microbes. Faut pas rincer et laisser se reposer avec de l'eau chaude. Quoi? faut bouillir, ça va tuer tous les microbes always boil your hibiscus, so you will kill all the germs, Okay? you see the sand inside look at, you see you see the stone I'm will show you guys the stone you see, so that's why you need to wash it Et voilà, je vais bouillir ça maintenant je suis confident maintenant de bouillir, il n'y a rien maintenant faut bouillir, faut pas mettre de l'eau chaude sur ma façon. Always boil your hibiscus or bissap. Mm? Faut toujours bouillir d'abord pour tuer les microbes. Je vais bouillir ça avec euh, de l'eau froide d'abord, je mets de l'eau froide et je mets les feuilles de menthe, I'm going to add my mint to have more flavor pour avoir de l'arôme. J'adore. Et je vais mettre uh, la peau de l'ananas aussi pour avoir l'arôme de l'ananas dans mon bisap. Je vais mettre mon pineapple pour avoir de flavor, plus d'arôme. Mm? Et je vais bouillir ça pendant au moins minutes 20 minutes à 25 minutes. Ok? Je vais boire ça pendant 20 à 25 minutes. Look at the color, huh? So it's nearly done now. I'm going to leave it to cool down completely. Je vais laisser I'm going to leave it now. It's been boiling for 25 minutes. So I'm going to leave it to cool down. And voilà. Because my bisa is cooling down. So I'm going to get back to my tamari. We're going to start with tamari. You see, that's why I put boiling water. To help me to remove all the tamari from my tamari seeds. So, the best thing is your hand. Honestly, make sure you wash your hand and uh, take. You see, you use your hand, the hand is the best. Honestly, you can still use the wicks if you want, but the hand is the best. Lame, c'est le meilleur. So, I'm gonna fit it. You have to très tamari, c'est très bon pour la santé hypertension et ça aide même à perdre du poids aussi hein. tu bois ça avec un tout peu de sucre ou bien du miel ça va t'aider à perdre du poids c'est très bon ça nettoie le ventre c'est très bon pour la santé uh -huh. Je rajoute de l'eau pour enlever tous les tamarés qui sont là-bas i oh my goodness remember my childhood back home in the morning you can have this bisa or sometimes ginger with bread and butter i used to love ginger and butter or bisa or a biscuit. kina paimisa na africa sanafans tu mona paimisa eh le là, tu prends ça avec ou bien avec, comment dirais-je, du pain avec du beurre. J'adore avec le pain. Et voilà, j'ai fini. Donc, je vais rajouter du sucre. Je vais ajouter mon sucre. bit sour, Comme vous savez que du tamarin c'est un peu acidité. Donc, je rajoute c'est pas beaucoup ne pensez pas que c'est beaucoup de sucre ça c'est du sucre vanille optionnel that's vanilla sugar si tu veux mais ça donne de l'arôme et ça c'est fleur d'orange orange, orange blossom it gives a flavor and the aroma of this oh my goodness people who know this one they will tell you the aroma it's so good you can get this on to Asian shop tu peux avoir ça sur les Indien, je les Asiatiques, parce que eux aussi, ils utilisent. J'adore les fruits, hein? J'ai goûté. Il y avait manque de sucre. Attest it, there was no enough sugar. Like at le tamarind is a sour, very, very sour. C'est un peu acidité, donc, pour, pour que le sucre attrape, ça prend du temps. Donc, je vais bien remuer ça. Et mettre ça dans les plastiques sachets là. De l'Afrique, ça, c'est venu de l'Afrique pour moi. Ça, c'est venu de l'Afrique. Et merci à ma petite soeur qui m'a envoyé ça. J'avais ça longtemps, donc mais j'attendais qu'à l'été, je vais l'utiliser pour vous. Pour vous donner la mémoire de l'Afrique. Euh, les plastiques, là, vous vous rappelez de ça, là, en Afrique. Le 12 pack parking, park home, hein, using for... Bissab, using for, euh, ginger, bissab, to sell it. And je vais to use a filler, pour l'huile. Je sais même pas. I'm going to use that one, to make easier for me. You know what I'm talking about, easy. I don't know. I forgot the name. Feuille or what? Oil, feuille, yeah, I think. Pour mettre l'huile, là. Donc voilà, je mets une tasse. Et tu serres la très bien en bas. I used to sell this one for my mom so I know how to tie this one <laughs> when I was starting you remember me oh you see make sure you tight I'm gonna show you the second one because you need to touch so well no much air inside you have there at the dedans. Et voilà, on faisait ça chez nous, les bisables, les ginga Les gens venaient acheter ça chez nous, et voilà. Vous voyez, en bas, et tu attrapes, tu tournes, tu serres, tu serres, tu tournes, pour que ça serre très bien, et puis tu fais sortir. C'est bien attaché. Vous voyez, ça doit être comme ça. Il a été comme ça. Je vais vous montrer pour la dernière Encadrant en 10 vidéos depuis long je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je vais montrer pour la dernière fois. en caméra and I do the rest off Je vais faire sur la caméra, après le reste, je, fais sans... je vais faire ça sans vous. Ok? Voilà, tu tournes, tu attrapes, il faut que tu attrapes pour ne pas qu'il n'y ait pas d'air dedans. Et tu tournes, tu tournes au moins trois fois, quatre fois avant de serrer d'abord. Et voilà. Et tu. Et voilà, j'ai fini avec les tamaris. de we're gonna go for the next one. On va faire jus de bonbon kiri. Hmm? On va faire kiri bonbon. Hmm? We're gonna do this one. We call it in French kirib bonbon. Et voilà. Vous voyez maintenant pourquoi j'ai utilisé de l'eau chaude, parce que ça va m'aider à enlever tout sur les grains. Le tamari, vous voyez, je vais utiliser seulement mon whisk, mon fouet, et bien fouetter ça. Vous allez voir, tout va sortir sur. sans utiliser ta main. Ni yes, Là, tu dois utiliser de l'eau chaude. Ça va t'aider à enlever facilement. You need to use hot water for this. It will help you to remove everything. You don't need to use your hand. You don't need to stress yourself. Look at, it. you just use your whisk, everything will be off on the seeds, look. That's my secret, you know, today, easy. I share one of my secrets with you. J'ai partagé une de mes secrets aujourd'hui pour vous. Donc, vous voyez, c'est très facile à enlever. Tu n'as pas besoin d'utiliser ta main. C'est ça qu'il faut mettre de l'eau chaude, tu laisses refroidir, regarde. Maintenant je vais juste filtrer maintenant. Mais si c'était de l'eau froide, ça va prendre du temps. Voilà, regarde, il n'y a rien. C'est Easy, 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 easy. Ça, that's the easiest way. Ça c'est la méthode très facile. Donc quand tu fais tes baobabs guiri là, baobab ou whatever. Fais comme ça, tu mets de l'eau chaude, tu laisses reposer jusqu'à ce que ça va se refroidir. Et vous allez voir, ça va être facile pour vous. Et je vais mettre du sucre, je vais faire la même chose que j'ai fait mon tamari. I'm to do the same thing, I'm gonna add sugar, add sugar as you like it. Tu mets du sucre à... comme tu veux, à ton choix, ok? Si tu veux plus de sucre, tu mets. Si tu veux moins de sucre, tu mets. Je vais mettre sucre de vanille encore. Parce que vanille ça donne l'arôme. Vanille, le sucre, give you l'arôme, give you flavor on your drink. And this brasseur water, orange, fleur d'orange, ça aussi, c'est très bon. Ça donne l'arôme dans tes boissons. Et mon secret ici, je vais mettre du lait sucré aussi. Lait sucré avec Kiri, oh my goodness, is heaven. Let's say, okay. quand tu as le milk of Kiri Baoba, is heaven. Kiri Baoba avec du lait secret, c'est le paradis. Et un peu de pic powder, milk powder. Mais si tu veux, tu peux, si tu n'as pas le like, milk, peak, tu peux utiliser nido. Nido, le lait nido. Needle powder, you can use that one. Like you don't have big powder So I'm gonna mix this one. Look at the color will change. The color will change. Now look at the color. It look like creamy. Hmm? So I'm gonna mix this one. This one, I didn't add a lot of sugar because I had condensed milk. J'ai pas mis trop de sucre ici parce que j'avais mis de lait sucré un peu de lait sucré. Et je vais mélanger ça on va faire comme le tamari aussi hum? je vais goûter c'était bon j'avais pas besoin de mettre quelque chose c'était bon comme ça je vais juste rajouter un peu de fleur d'orange il n'y avait pas d'arôme pour moi je vais Orange brosse pour plus de saveur, et moins d'arôme, et un petit peu de sucre et c'est tout, je vais it Donc, je vais faire la même chose que j'ai fait avec du tamari. Je vous montre encore si vous n'avez pas bien vu, donc je vous montre encore comment je vais attacher ça. I'm going to show you how to tie this one again. So, you can remember how to side make sure there's no a lot of hair like you can see. And turn one two three four at least four to five, okay? Tu dois tourner au moins 5 fois avant d'attacher. Faites ce que n'y y a pas trop d'air pour bien gonfler là comme vous pouvez constater pour moi. Donc, je vous montre ça encore pendant trois fois. Et euh, je vais continuer. Je vais faire le reste sans, sans vous.

Et voilà, j'ai fini avec Kiribawa aussi. Donc je vais mettre ça à côté. On va commencer. Bissab aussi. Oh, we're gonna do. Uh, Hibiscot. Hibiscot. Bissab. Zobo. Comme les Nigériens. Les Nigériens, people, they call it Zobo. So je vais rajouter. This Zobo so red. Natural red. Oh my goodness. So red. Look. And the flavor was so good with mint and that pineapple. Oh my goodness, It was so good. So I'm gonna have sugar here again. Remember, this one is like bonbon glass, like sweet. So you need sugar here. Ça c'est du bonbon glacé, donc tu as besoin du sucre ici. Mais si tu veux faire pour le gym, tu fais ça sans du sucre. Okay. So, je vais faire la même chose, je vais rajouter du sucre vanille, fleur d'orange comme j'ai fait les autres. Hein? Je mets du fleur d'orange, I'm going to add the same thing I add for tamarind and my kiwi, boba kiwi. So I'm going to stir it and tight it like I did for the rest, ok I'm taking some for my hobby because he like, like this like juice one. I'm going to remove a little bit for my darling. He likes juice, juice, juice. He likes. He doesn't like like ice cream. So I'm taking some for him. I'm putting some for him. So I'm going to this apple. Actually, it's nice. So now I'm going to use my plastic for my bee sap. But like if you don't have like mine, you can use this food bag. Tu peux utiliser les plastiques pour le manger là. Si par exemple tu es en Europe. Mais mes plastiques bag là c'est un peu petit. Tu peux prendre plus grand. Et tu utilises ça aussi. Okay? Si tu n'as pas les plastiques de l'Afrique là. Vous voyez c'est je vous montre. I show you. Like if you don't have like Africa plastic, uh, Africa bag. Vous pouvez utiliser ce sac bag pied que nous achetons dans le magasin et le toucher comme ça. Vous voyez? Mais utilisez le plus grand. Celui-ci est le plus petit. Pour moi, les sachets-là, c'était petit. Mon sac bag. Donc, tu achètes plus grand que ça. Tu peux faire avec ça. Donc, je voulais vous montrer des astuces là aussi. Donc, je refais la même chose que comme j'ai fait. Donc, je vais prendre une pause. pour parler. Et voilà, j'ai fini tout, tout maintenant. Donc, je vais mettre ça dans le congélateur pour 24 heures. I'm going to put this in the freezer at least for 24 hours. So, I will see you the next day. Look at how colorful is this. You remember this in Africa, You tie, tight. Sometimes, I had open my head will pain. Mes doigts me faisaient mal quand je faisais ça pour ma maman. Oh, my goodness. I'm gonna keep this on the freezer now. Bye bye. See you next day. Okay. Au revoir. Je vous reviens. Et voilà. C'est le lendemain. It's the next day. Look at. Huh? The memory is back. I'm giving you guys memory back with this one. Oh my goodness. Bisa baby. Bisa bé. Bonbon class. Get bonbon. Sometimes you can even do yogurt too. Next time I will do yogurt for you guys and ginger. Ginger glass, eh, babe. Bombang glass. <laughs> my language. That's my language. glass. Bombang glass. Glass, glass, babe. <laughs> oh, my goodness. Uh, memories back. Child memories. But look at how frozen this. Look at them. My kiss. What's your favorite one here? Get okay, Qu'est-ce que tu préfères ici? Bissap, tamaré, ok. Mine, ou kiri. Et ma cakes, they like tamaré. Uh, Bissap, they nearly finish. I didn't even try them. They nearly finished the Bissap one. Mes enfants ont fini le Bissap. Donc, bye! Très bien.